こんにちは、みなさん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching Bonsu TV. I took a French parent and child who couldn't live without bread to a Japanese bakery. では早速、始めましょう。Yum! Hi, yum! Raisins!どうも、モンソル TV のアマニンとカリヌさんとローラさんです。今日のテーマはフランス人らしいテーマ、フランス人らしいテーマ、フランス人らしいテーマ。 Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. C'est vrai qu'on a la curiosité de voir quel goût a le pain ici au Japon. Et vous attendez à quoi alors? À quelque chose de très moelleux. Oh. Non, moi je sais pas du tout, hein, donc là je vais découvrir total. Là, je pourrais bien découvrir. Ça va être un peu brioché, je pense. Ah, tu vas pas manger le melon pan, si on a. Oh. Si on a, j'espère qu'il y en a. On va y aller parce qu'en fait la boulangerie est juste là. C'est une ancienne auberge en fait japonaise qui accueillait des personnes riches en fait, qu'ils ont retapé pour faire du coup un espace détente et boulangerie. Et le boulanger de cette boulangerie en fait a appris à faire du pain chez Maison Kaiser. Voilà, c'est la façon de faire française, mais pour les japonais, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Ikimaisa. Ça donne sur les racines d'un arbre, je trouve que ça a une image magnifique. Là. Il y a un temple au fond aussi où il y a des momies japonaises. Mmh. Ah. Des momies. Ah bon? Ils sont racontés là. Au Japon. Ok. Waouh! Alors voilà la boulangerie. Wow. J'avais pas une boulangerie. Fiori, oh. Waouh! C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, beautiful! Okay. C'est le plat, le pain. Ah bon? Alors il est garni ça alors? Bah, c'est ce que vous allez voir. Vous pensiez avoir c'est... votre baguette en fait, c'est ça? Voilà, il y en a plein, super cool. It doesn't look like it's a bakery. A bakery shop. Oh. Là, c'est fini le bidou. Alors, déjà, première chose dans les boulangeries japonaises, vous ne demandez pas le pain à la yum qui vous servez. I love bread. Je suis là. Je mets tout. Oh, beautiful! Oh! What's the name of that bread? Chocolate! Raisins! Raisins? C'est de la crème lait et sel. Alors c'est un pain au sel avec de la crème au lait dedans. Ok, d'accord. Ah, poulet. Poulet. Ça, c'est mon préféré. Et ça c'est mon préféré, moi je sais pas comment ça donne. C'est un pain au sel avec du beurre salé. C'est excellent. On a combien? 8, 9, 10, 11, 12. On a mangé 13 sushis et 12 pains, c'est ça. Kawaii, 8 heures. Oh waouh! On dirait de la sangria. Très bonne.
pense que ça va être difficile de tout manger, peut-être. Je pense que dans la vidéo, il vaut mieux déjà goûter les deux trucs français. Ok. Le melon pan. Miss Amandine, she's beautiful. Pain, de la région, en fait, c'est un pain fait avec du riz dedans. Du riz de la région. Ça va aller en fait. Vous allez pouvoir tout manger? Et si on fait un petit coup? Wow. Tu voulais goûter le croque monsieur, toi? Oui, le croque monsieur m'intrigue. La qualité du jambon à faire, c'est... Il m'intrigue un peu. Je sais pas si le jambon, mais là, c'est bon. Le magasin est tenu par une entreprise qui tient, enfin, qui est une entreprise de porc, l'animal. Donc je pense que le jambon vient de là. Ah. L'épaisseur du pain me choque entre guillemets. Ouais, ouais. C'est ça, c'est des vrais tranches. Ça presse quand tu mets au four. Je crois que c'est bon. Non, c'est pas que je crois que c'est super. C'est l'épaisseur du pain. C'est excellent. Et c'est pas salé. Et c'est pas salé, mais c'est pas sucrément tout parce qu'à sentir, on a l'impression qu'il n'y avait pas qu'il y ait un début sucre. C'est une sacrée tranche de jambon, regardez. Ah oui. Moi, je voulais manger ça pour 8 ans. C'est pas bon. La qualité qui est mise dedans est juste incroyable. Franchement, c'est énorme. Next. Moi, je suis intriguée par votre baguette là. Parce qu'à première vue, on dit c'est une baguette grillée quoi. Alors, moi, ça m'intrigue, il y a des points blancs. C'est du sel hein? Non. Qu'est-ce que c'est? Ok, dites-moi ce que vous pensez de la baguette aussi. Un poisson, c'est des œufs de poisson. C'est ça. Ah, des œufs de poisson épicés. Hein. C'est quelque chose de très 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 typique japonais qui coûte sur de la baguette française. En fait. Mais le mariage est super bien. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais si, c'est vraiment mon mariage. Et la baguette, pas très grand. C'est vraiment très bon. C'est surprenant. On aime ou on n'aime pas. Si elle t'en passe, c'est surprenant, mais c'est super bon. On a un goût de verre qui vient. Oui, le poisson. Sans crottin, vraiment. En France, on aime bien aller à la boulangerie quand le pain sort du four. En général, le premier truc, c'est qu'on parle, on passe les portes et puis on passe le premier morceau. Et vous mangez en marchant. Voilà. Après, quand t'arrives, il n'y a plus rien, c'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs. Alors, si je vais m'en faire une phrase. Au beurre salé, oui. C'est mon préféré. Il y a une raison toute simple, c'est qu'en fait, tous les matins, ils se faisaient une baguette grillée au beurre salé. Et j'ai jamais retrouvé ça nulle part, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais quand je beurre mes pains, c'est toujours au beurre salé. D'accord, ok. Quand je suis venue ici, j'ai acheté ça au pif, et c'était le goût de la baguette de mon grand-père. Ah, je comprends. Elle est bien le foie gras, ta mère. Elle rajoute des saveurs françaises. What's inside? Cheese? Regardez l'intérieur. Il y a le beurre salé dedans. Technique de cuisson. Elle va ressortir, elle va aimer le beurre maintenant. Bon, hein. Oh, c'est... Là, il me manquait le petit radis pour mettre dessus. What's that? Croustille, t'as le goût du beurre qui sort avec le dessus. Il ne faut pas changer, franchement. Ah, butter. C'est tout bon, c'est juste du beurre salé. Butternut cheese. Ah ouais, moi j'ai ça tous les jours pour manger.
Et je m'amuse avec elle quand je rentre en France à faire toutes les boulangeries de ma vie. D'accord. Pour faire une comparaison. Voilà, pour faire une comparaison, voir le meilleur pain. Et j'ai remarqué que sur 10 baguettes, il y en a 9 qui ne tiennent pas jusqu'au lendemain. Ah oui. Elles sont comme ça. Oh oui. Et je me dis, je voulais aller sur quoi maintenant? Celui-là, oui. Ouais. Ça va le ventre? Oui, non, le pain c'est pas tout seul. Donc ça c'est vraiment le riz de la ville. Ça je suis curieuse de voir qu'elle est où ça. Donc vous allez voir c'est pas du tout la même texture. Compact. Ben ça ressemble en fait à une texture un peu mochi. Vous allez voir. Ok. Faut que je fasse une scène où je suis déchire comme ça et que moi les. Mais je passe. Brioche. Quelque part. Je savais que ça allait être un peu trop bien. Il y a des grains de riz quelque part. Hein. Voilà. Regarde là. Ah, oui. C'est humide l'intérieur. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la carte au pain viennois. Voilà. Le pain brioche. Oh, c'est excellent. Et vous sentez le petit goût sucré? Oui, mais c'est ça. En fait. Et ben c'est le goût, c'est le sucre du riz. Ah, ok. Super bon. La vie est trop bonne. Petit message pour Mathieu. Apparemment, ouais. Vous devez venir avec ce manger du pain. Je propose de passer au melon de pain. Est-ce ton premier melon de pain ou t'as triché? T'en as mangé un avant? Non, c'est mon premier melon. Tu en as jamais mangé en France? Non. Melon pan. En France, mais je pense que. I like this one. Beautiful. Explique à ta maman ce qu'est un melon pan. Melon pan. Melon, on doit dire c'est un truc au melon. Ah bah oui, forcément. Et je ne savais même pas être melon. Mais c'est vraiment une brioche. En fait, c'est un pain en deux pains. C'est une base de brioche avec une couverture de cookies. En fait, quand vous voulez faire des melon pan à la maison, c'est très facile à faire en France. Il faut faire deux pâtes, une pâte à cookies spéciale melon pan et une brioche. Ok. Et vous mettez les deux ensemble et vous mélangez les deux ou... Non, il faut les coller. Voilà. Donc en fait, il y a deux textures absolument. Je pense que vous allez voir en bas, c'est voilà, c'est mou. C'est brioché quoi. Soft. Et au-dessus. Et le melon pan avec de la crème chantilly dedans, il est excellent, il y en avait plus. J'ai envie de me dire que ma chérie est là-bas. C'est sûr. Ah ben, je trouve ça, oui, je vais chercher la recette. Ça sent bon en tout cas. Yeah. Ça sent la tarte tropézienne. Et le goût aussi. Bien, bien. À refaire pour tirer. Oui. Je cherche la recette. Hein. La première fois que je suis venue au Japon, j'ai cru que le melon pan, il avait servi le goût de melon. Quand j'ai mangé ça, j'étais déçue. Ah. Oui, c'est vrai que par rapport au fait, c'est passé sur la forme. C'est la forme qui a le melon. C'est like a mango. C'est mango pan. Mango pan. Mango pan. Ouais, so big. Magnifique. Mon Dieu. En fait, on va finir rien manger, je pense. Yeah. Si j'arrive même à s'en prendre dans la gastronomie pure française, on a un problème. Je suis de retour en France, là, je vais te faire un bol. Super. Les boulangers français, ils ont des leçons à prendre. Un vrai croissant. Il n'y a pas de doute à avoir, c'est un vrai, vrai, vrai croissant. Bravo. Il est pâtissier.
Dernier. Yummy. Vous aimez les pains au chocolat ? C'est chocolatine. Ils appellent ça un pain au chocolat ici en plus. C'est comme attaqué les années, chocolatine comme pain au chocolat d'Otilard. C'est le gros défi qu'il y a entre la région parisienne. Alors, et les aimez-vous les chocolatines dans ce cas-là ? Oui. Cette séparation de fleurs. Entre le foncé et clair. C'est du gel d'œuf dessus. Mmh, oui. Ça se tient bien. Oh. Ça tient bien. Il y a deux barres. C'est vraiment, mais les barres France, on ne trouve plus. Moi, à mon époque, il y avait deux barres. Vraiment la barre de chocolat. Ouais, c'est ça. On a l'impression d'avoir vraiment la barre de chocolat que nous, c'est du chocolat. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est du chocolat. Ça n'a rien à voir avec le chocolat quand même. Ou alors on embarque le pâtissier, le maître sushi, le mec du resto français, ça va vous faire chier. Vous allez les loger où? On de beau gras. C'est des plans pour que ta mère, elle va vivre ici en fait. Je crois que le truc monsieur était pas mal aussi. Hein. Oh, I like this. And then melon pan. And the one with chocolate. Et moi j'ai beaucoup aussi une découverte pour moi. C'est la première fois que je mange le melon pan et ouais, j'ai beaucoup aimé. En sucré, normal, j'irais le croissant. Ah. Pourtant, t'aimes pas le beurre. Ouais, pourtant, il fait bien sans beurre. J'aime le croissant, mais ouais, c'est moins doré en croissant. Ouais. Ah bah oui, c'est rien. Ouais. Avez-vous, en tant que Française, validé le pain au Japon? Ah bah oui, forcément. Là, sous toutes ses formes, il est excellent. Ah, franchement, c'est bien. On a des soucis à se faire. On a des soucis à se faire, la concurrence est rude. Tant mieux pour eux, ils arriveraient à avoir une sacrée clientèle. Donc ils ne savent pas faire que des sushis, en fait. Ils sont partout. Mais partout. En nourriture française, en pâtisserie, en... C'est ça qui est... C'est exactement ce que... En fait, quand ils sont bons dans un truc, mais ils sont vraiment bons dans un truc. C'est exactement ce que j'ai dit à ma famille quand on a envoyé des photos du restaurant français. J'ai dit, je crois qu'on peut aller se rhabiller. Hein. Ils nous mettent une claque. Après, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on a été en France plus. Hein. Ouais, ils sont forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Très très forts. Il faut le vivre. Nous, on est contents de l'avoir vécu en tout cas. Bye. Thank you so much for this delicious episode by Bonsu TV. I love bread. You know, when I go to shopping malls or supermarket or even convenience store, I always go to bread section. I love eating bread. I so love Japanese bread, especially melon pan. I've heard melon pan before and I think it's quite popular in Japan. It also looks so delicious. Miss Amandin is so gorgeous. And she's also a very smart lady. I admire her. Well, this video makes me want to go to a bakery. I want to eat some bread right now. Well, anyway, thank you so much, Bonsu TV, for this fun video. It was nice watching you guys. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう. 皆さん気をつけて。またね!